Bonjour à toutes et à toutes. Donc on se retrouve encore une fois sur Hitman Absolution. Et donc on va attaquer la mission 9. Et comme elle est plutôt courte, on va enchaîner avec la mission 10, qui elle est par contre très très longue. Alors bah, je vous dis bonne cinématique et puis on se retrouve après. Bon, bien sûr, en puriste comme d'habitude. Alors Doc, ça donne quoi? Notre petit prodige? C'est exactement ce qu'elle est, monsieur. Prodigieuse. On lui a fait passer des tests. Son ADN est comme renforcé par un isotope contenu dans son collier. C'est comme s'il la faisait rajeunir. Avec un bon entraînement, elle peut devenir plus forte et plus rapide que n'importe quel homme. Mais sans son collier, elle s'affaiblit. Elle est vraiment parfaite. Ah, je savais bien, moi, que c'était de la dynamite, cette petite. Jackpot! Lenny. Lenny a été kidnappé. Quoi? Quel fils de pute ose me provoquer? Ils savent pas qui je suis! Putain de merde! Appelle Jad! Dis-lui de préparer la rançon tout de suite! Et appelle le shérif, t'es lui qui me retrouve Lenny. À quoi je le paie, ce putain de pervers? Putain de merde! Ah, Madame Cooper. Bureau du shérif, j'écoute. Oh, que puis-je faire pour vous? C'est pour toi. Ici Scarkey, quoi? Salut, Layla. Quoi? Non! Oh. D'accord, ok Leila, c'est bon, je viens. Raccroche. Lenny, où est la fille? Papa va me tuer si je pars. Moi aussi, alors parle. Oh non, pitié! On allait la ramener! On essayait juste de se faire un peu de fric, c'est tout! Pour la dernière fois, où est Victoria? Continue, t'arrête pas. Papa m'a dit de la donner à Sanchez! Dis-moi où je peux trouver Sanchez. À l'usine! À l'extérieur de la ville! Demandez à n'importe qui, ils vous diront! Il organise des combats la nuit, d'accord? Bien, tu peux arrêter de creuser. Et maintenant, je peux sortir du trou? Alors, faut que j'essaye un truc. Mais parce que là, donc vous avez bien compris, il faut tuer, etc. J'ai eu dernièrement dans une vidéo. Que si on prenait 3 os, je crois que c'est 3 ou 2, hop, et qu'on les plaçait dans la tombe, il se passait un truc. Le problème, c'est que je crois qu'il y en a un que je ne sais plus où il est. Donc on va faire ça, hein. Au pire, même si elle prend un épisode, ça pourrait toujours être drôle. Donc il y en a un, il y a un bon dessus. Il se passait un autre truc, apparemment pas. On va pas grand chose.
Pas mal la musique. Ah bah c'est la voiture. Il prend même pas les armes, lui. Pitié, non, non, pas comme ça, non, non, pas comme Darlan. Il y avait du sang partout. Il souffrait comme un clébard. Oh non, je ferai tout ce que tu veux. Je serai super sympa. Voilà. Oui, donc un autre easter egg qui est à cet endroit-là. Parce que j'ai vu. Je me rappelle plus comment le faire, mais. Ah, c'est. Peut-être. Non, je sais plus. En tout cas, ce qu'il y avait, il y avait un camion à glace qui passait puis qui tuait l'ennemi. Enfin, bon, c'était pas mal. Ouais, voilà, on va continuer. Donc voilà. Alors on l'a fait. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire. Par contre, il y a pas mal d'armes. Bah non, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Je croyais qu'il y en avait plus. Bah, on dirait pas. Donc on va tout de suite enchaîner avec la mission numéro 10. Et je vous laisse la bonne musique. Donc nous voici dans les industries de Dexter, comme c'est écrit, puis comme c'est écrit ici. Et notre but ça va être de s'infiltrer, donc avant il faut aller désactiver chacune des caméras, les caméras, etc. Donc c'est un truc un peu chiant, mais on peut le faire. J'espère que je vais pas me faire choper dès le début, ça serait mieux. J'aurais dû le faire dès le début, mais comme je savais pas où il allait aller. On va se déguiser, je pense que ce sera déjà la meilleure des façons de rentrer. Donc là, on rentre quand même dans les missions les plus complexes et les plus longues. Même s'il reste encore des petites missions comme vous venez de voir, où ça dure pas très longtemps, c'est facile, etc. Ça reste, je vais dire, ces petites missions là, c'est des petites missions, comment dire, pour mettre dans le bain en fait, on va dire, pour ajouter des bonus, des trucs dans le genre. Avec des, ben justement avec l'Easter Eggs que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, c'est des trucs plutôt simples, mais ça se laisse manger quoi, enfin je veux dire, c'est pas mal, ça vaut le coup.